engagement, action et détermination. Les mots valent bien avec l'image que donne cette initiative de Bilif, Brazzaville International Leadership Youth Forum. Place de la gare ce dimanche matin, bon nombre de Brazzavillois s'y sont retrouvés à l'occasion d'une marche à double enjeu, à la fois sportive et environnementale. Cette marche sportive et environnementale de la jeunesse s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation. La sensibilisation auprès des jeunes sur les questions de bons durables. Comme vous savez que l'ODD 6 et 11 prescrit aux nations, aux peuples, notamment à la jeunesse, de pouvoir avoir un environnement sain. Sur les grandes artères où ils sont passés sacs plastiques en main, les marcheurs ont procédé au ramassage de toutes sortes de déchets trouvés sur leur passage. Marcher en ramassant. Avant de jeter dans les bacs à ordures, une manière de prouver de cet engagement de la jeunesse congolaise pour la préservation de l'environnement, combat pour lequel le Congo s'illustre dans le concert des nations. Le cadre de vie dans lequel nous trouvons, et surtout que le Congo abrite dans un mois à peu près un grand sommet sur les trois bassins, sur l'environnement. Donc c'était pour nous déjà là envoyer un signal fort au monde entier pour dire que la jeunesse congolaise dans son entente et africaine en général accueille ce sommet avec beaucoup d'effervescence et que les jeunes sont prêts à pouvoir s'approprier des problématiques. À cette initiative, le soutien du système des Nations Unies est visiblement actif du plus haut niveau national. Je me réjouis de voir la jeunesse congolaise prendre en main leurs responsabilités en ce qui concerne la protection de l'environnement. C'est un enjeu très, très, très important. Et comme vous le savez, bientôt on aura ici à Brazzaville le sommet des trois bassins. C'est pour aider à mettre accent sur ces sujets clés. Donc il faut qu'on travaille ensemble. C'est pourquoi je suis personnellement engagé à soutenir la jeunesse. Avenue de la Paix jusqu'au rond-point de Mungali, avenue des Trois Martyrs, boulevard Alfred Raoul. C'est ici, à l'esplanade du complexe sportif Alphonse Masson-Madeba, que cet exercice a pris fin. Plus d'une heure de marche intense qui aura permis à plus de 1500 participants de marquer de cette action de Bilif, ce forum qui œuvre pour la pleine participation de la jeunesse africaine dans les questions de développement et du leadership.